Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PsyTrag et j'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui je pète la forme les petits potes. Comme vous pouvez le voir, on va passer les 9000 abonnés sur cette chaîne. What the fuck. Tout d'abord les amis, j'ai vu que sur ma dernière vidéo vous m'avez quand même explosé les likes. Un truc de dingue quand même. Donc n'hésitez pas à battre ce record, objectif 200 pouce bleu. Je compte sur vous parce qu'il y a que vous qui pouvez le faire. Moi je peux pas liker ma propre vidéo, ça se fait pas, il y a que vous qui pouvez le faire. Bref les petits potes, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va essayer de jouer la double Vector. C'est ça aussi une grosse nouveauté, c'est une nouvelle arme. Et c'est pas non seulement une arme, c'est une double arme. C'est à dire que tu pourras tirer avec deux armes en même temps. Et ça sera pas une arme nulle. Non, c'est une arme overcheat de ce que j'ai cru entendre. Donc écoutez les petits potes, avant que la vidéo commence, le pouce bleu, le commentaire, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Et puis écoutez les amis, on va directement en clash quad et on va essayer de faire la double Vector. Ok, let's go. Ah ok. Ok, donc en plus on est sur la nouvelle map de Clash Quad. Ça fait vraiment zizir quoi. Personnellement je vais économiser, parce que c'est ce qu'on m'a dit, économise, comme ça tu l'auras le plus vite. Je vais essayer de faire un kill. Et si c'est le cas, je me mets bien. J'ai sorti le skin Bouya parce que je suis grave content. Et on ne peut dire que Bouya quand il y a une nouvelle arme sans Free Fire. Bah oui mon pote, bah ouais, hey, logique. Allez c'est parti. Aïe 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 aïe. Non ça par contre c'était pas prévu ça, vraiment pas du tout. Allez vas-y, on va dire que c'est le premier round, ah, pas de soucis. J'espère juste que la Vector elle est pas trop chère tu vois. J'espère juste pouvoir l'avoir au bout de 3 games. Comme ça après on fait une remontada et basta quoi. On va regarder combien elle coûte. Ah je peux déjà la prendre là, 1200. Non je vais économiser encore. Je vais encore économiser, ça je vais la prendre. Allez, enfin je vais carrément la prendre en deux fois quoi. Le mec il a pas de temps, vraiment pas de temps quoi. Moi j'économise hein, je vous le dis. Peu importe si je meurs ou si je gagne, le résultat est les mêmes. Et je prends la double Vector. Et ouais, let's go. Allez. Ah oui. Est-ce qu'il y a moyen de prendre la double Vector là? 1002. Y'a moyen. Et ouais, y'a moyen, les potes. Double Vector. Wouhou! Let's go, baby! Let's go, la double Vector! Ah, ce qui paraît, c'est trop cheat par contre. Hein. Donc, si cela, je perds, franchement, je comprends. Let's go. Let's go! Putain, mais c'est trop stylé, quoi. Regardez-moi ça, comment je cours. Naruto Run. Oh non! Non, j'ai pas envie de perdre mes double vecteurs! Non mais t'es malade toi! Eh oh, ma double vecteur! Oh non! Mais non, me dis pas que je vais mourir, je vais perdre la double vecteur! Are you serious quoi? Oh. Putain, j'aurais pu en prendre la double vecteur quoi! Par contre là, il nous mène 2-0, hein, donc je dis ça, je dis rien. Est-ce que là, je peux prendre la double encore? Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir la prendre? 4000, bah oui, il y a largement moyen. Ok, let's go. Par contre, cette fois-ci, je prends un gilet, casque. Oula. Casque, ça, je m'en fous. Cette fois-ci, je la perds pas la game. Je vous le dis, je vous l'annonce, cette fois-ci, je la perds pas. Allez. Est-ce que la remontada, c'est pour maintenant? Là, je tombe pouce bleu. Un skip, ça soutient. Oh non, me dis pas que j'ai le bug. J'ai le bug. Putain, j'ai le bug avec la Vector. Et si je la retire des mains? Ouais, j'ai le bug. Putain, les potes, j'ai le bug des fenêtres, quoi. Ok, 2v2, j'ai pas encore fait de kill. Ok, 1v1. Vas-y, je vais très A. En vrai, j'ai le temps. Il est juste là, le pélo. Vas-y, la remontada, c'est pour maintenant, les petits potes. Let's go. Je suis un ancien héroïque en Clash Quad ou je le suis pas? Hein? C'est la question que je me pose, des fois. Let's go.
Par contre, de loin, elle fait vraiment aucun dégât. Mais vraiment aucun. First blood. Ok. Putain, elle a la double vecteur aussi. J'en étais sûr. Il est bloqué par la zone. Ah, il est bloqué par la zone. Let's go! J'ai tellement peur de perdre en vrai, c'est un truc de ouf! Allez, let's go! Oh my god. Je pense qu'on est full. On fait une pluie de champignons. Ça va nous porter chance. Let's go. Let's go baby. Par contre on a la pire position. Putain je suis dégoûté. Tu l'as vu lui là? Ok. Il y en a en bas. Il y en a un là-bas, j'avais raison. Et il est à moi le dernier, les potes. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Let's go. Let's go, baby. On est là ou on n'est pas là? On est là ou on n'est pas là? Bon, eh bien, franchement, qu'est-ce que j'en pense? Eh bah, stylé. Alors après, en BR, est-ce qu'elle est si simple que ça à trouver? Je ne sais pas. Est-ce que en BR, elle est vraiment utile? Je ne pense pas parce qu'elle est vraiment très courte au niveau de la longueur de range. Elle est vraiment très courte. Donc, je pense pas que ça soit une arme très efficace. Peut-être qu'en squad, elle soit utile. Mais en soi, si l'autre en face, il a une AK, il aura largement le temps de vous tuer jusqu'à que vous soyez assez proche avec la Vector. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça où j'essaye des armes. Ou bien même, vous me donnez un défi de faire Clash Quad avec une seule arme de type pompe ou de type sniper. Ça pourra peut-être m'entraîner, tu vois, à utiliser des armes que j'utilise jamais. Bref, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous donne rendez-vous nouveau live sur Free Fire. Bien sûr, ça faisait vraiment longtemps. Je compte sur vous, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ouh! Une très bonne fin de soirée. C'était Psytrag. Bye bye. Oh yeah.